Mes chers amis, bonjour. Vous ne rêvez pas, 2 jours consécutifs, 2 vidéos, incroyable. Peut-être que j'ai fait échouer, hein, allez savoir. En tout cas, je voulais juste vous dire, partager avec vous une petite réflexion. Vous savez qu'on est, déjà dans le conte du Homer depuis le deuxième jour de Pessah. Et donc aujourd'hui, on est déjà le quatrième jour. Et on est dans la première semaine. Alors, j'essaierai, bien aider, d'expliquer à chaque fois les semaines que nous traversons, puisqu'elles sont évidemment chargées d'énormément de symboles. La période du Homer est une période qui a énormément de signification au niveau de la Kabbalah. Il y a ce qu'on va appeler les 7 sirotes, qu'on expliquera au fur et à mesure, et donc qui sont aussi des midot, excusez-moi les termes techniques, mais vous allez très vite comprendre. En fait, cette semaine, nous sommes dans la semaine de Chesed. Chesed, c'est quoi? Chesed, c'est la bonté, la générosité. Et en fait, tous les jours de la semaine, on va compter la semaine du Chesed qu'on va tous les jours mêler ou mélanger ou associer à l'une des autres 7 midot. Donc le premier jour, c'était Chesed dans Chesed. Le deuxième jour, Tiferet dans Chesed. Le troisième, Gvura dans Chesed. Le troisième jour, etc. etc. Donc, bien d'ailleurs, j'expliquerai à chaque fois. Là, maintenant, on va se concentrer sur le Chesed. Chesed, générosité, bonté. Donc en fait, le Chesed, c'est une dimension dans laquelle les gens vont les uns vers les autres, les choses ne cessent d'augmenter. Il y a en fait une espèce de prolifération, d'extension, et c'est toute la dimension de la création du monde. Lorsque Dieu crée le monde, en fait, là où les scientifiques et les haramim se rejoignent, c'est qu'au départ, il y a ce que certains vont appeler un noyau ou un atome. Et en fait, il ne va cesser de grandir. Chez nous, il s'appelle Bereshit, le temps. Et cette existence-là, aussi petite soit-elle, va, pendant les 6 jours de la création, ne cesser de s'étendre, de prendre de l'expansion. Ça, c'est le Chesed. Le Chesed, c'est j'ai, et au lieu de garder pour moi, je vais donner à l'autre. Le Chesed, c'est d'aller tout simplement des fois vers l'autre, une parole gentille, un sourire, ça s'appelle du Chesed. On est tous remplis de la mida de Chesed. Et pourtant, mes chers amis, le Chesed est un travail. Alors, je pourrais expliquer très simplement en disant que des fois, je n'ai pas envie de donner, je suis fatigué, je n'ai pas l'énergie, la personne ne m'est pas spécialement sympathique, je vais donner quand même. Donc là, tout le monde le comprend, il y a un effort à faire dans le fait de donner qui est très important et qui est évidemment à la portée de tous, chacun avec son niveau. Il y a une autre dimension. Qu'est-ce que c'est être un homme, enfin un être de Chesed? Et là, écoutez bien, parce qu'on parle évidemment dans complètement autre chose, toujours dans l'idée du Chesed. La personne qui est vraiment Chesed va être capable non seulement de donner, mais de recevoir dans la dimension du Chesed. J'explique. J'échange avec quelqu'un, et puis il me dit une phrase qui ne me plaît pas. Donc je vais peut-être instinctivement décider que cette phrase, c'est de l'anti-Chesed. Ce n'est pas de la bonté, ce n'est pas de la générosité, c'est le contraire. Ça, c'est quand je suis quelqu'un de normal. Moi, sans doute que je suis comme ça. Vous, je ne sais pas, vous êtes peut-être tous des grands tzadikim. Être au-dessus de cela, c'est être capable de trouver le chesed qu'il y a dans tout ce que je reçois des autres. A fortiori, de ce que je reçois d'Hachem. Le travail d'un juif, mes chers amis, c'est d'être capable d'être à la hauteur, d'avoir surtout envie de constamment trouver le chesed de Dieu dans tout ce qu'il m'envoie. Je sais pertinemment qu'on reçoit tous des choses. La vie, les circonstances de la vie, des fois sont agréables et des fois ne le sont pas. Des fois, je vois la bonté d'Hachem et des fois, je suis persuadé que je ne la vois pas. Alors, je suis sans doute un bon juif si j'accepte ce que Dieu m'envoie. J'essaie même de trouver des raisons. C'est bien. Je peux dépasser cette dimension. Je peux essayer de trouver le chesed qu'il y a dans tout ce que Dieu m'envoie. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. Un jour, ma mère nous raconte souvent que un jour, elle a voulu un peu provoquer mon père. Il faisait les bénédictions du matin, il était à côté d'elle et il était très malade, comme vous le savez sans doute. Et il a fait la bénédiction dans laquelle on dit « Baruch HaTachem,
Amechi mitzadeh gaver. En un mot, merci Hachem, celui qui donne aux hommes la possibilité de marcher, de se déplacer. Chez Hassan, Nicole sorti, qui m'a donné tout ce qu'il me fallait. Alors elle lui pose la question, elle lui dit, mais tu es sûr que tu dois la dire, cette bracha, ces deux bénédictions? Dieu ne t'a pas tout donné, tu n'as pas la santé. Dieu ne t'a pas donné la possibilité de marcher, tu ne peux pas marcher. Et il a répondu. Et il a dit, tout ce que Dieu me donne, c'est ce que je dois avoir. Tout ce que Dieu ne me donne pas, c'est ce que je dois avoir aussi. Je crois que c'est une vraie dimension. D'être capable, en tout cas d'être à la recherche, de la dimension chesed dans tout ce qu'Hachem m'envoie, dans tout ce que la vie m'envoie. Alors je voulais partager cette réflexion parce que dans le processus du Homer, nous allons arriver à la fête du don de la Torah. La Torah, c'est la potion idéale pour des hommes idéaux. Et nous sommes de cette trempe-là. Et pour s'en rapprocher, ou pour essayer de ressembler à cela, eh bien, il faut tous les jours gravir des échelons. Cette semaine, la dimension, c'est celle du chesed. C'est celle non seulement qui consiste à donner, mais à apprendre à recevoir les choses du bon côté. Avoir dans tout le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Tous les gens qui sont autour de moi-même, et des fois ce qu'ils me disent ou ce qu'ils me font ne me plaît pas, mais je sais au fond d'eux que ça vient de l'amour qu'ils ressentent pour moi. Donc je vais chercher le côté chesed qu'il y a dans tout ce que je reçois, dans tout ce dont je suis le bénéficiaire de tous les gens qui m'entourent et évidemment d'Akadosh Baruch Hu. Voilà mes chers amis, je vous laisse cette réflexion, je vous souhaite Moadim les Simcha et j'espère à très vite si Dieu veut.